Salut les geeks, c'est Kant de 4geek.fr. Donc là aujourd'hui je vais faire un petit déballage d'une pop. Généralement je ne déballe pas mes pop, mais là en fait je me suis aperçu que quand je l'ai acheté, quand je l'ai ramené à la maison, la pop était déballée. Donc comme je suis voilà un amateur de pop et que les grosses pop je les ai jamais fait, donc je me suis dit en plus comme je suis fanat du FPS BioShock, je vais essayer de faire la collection complète pour voir. Je sais qu'ils sont disponibles, mais voilà, c'est comme tout, il faut avoir le temps, l'argent, et voilà, il faut tomber dessus au bon moment. Donc en fait, ouais, nous avons Big Daddy, vous me voyez derrière, dans le reflet. Nous avons Big Daddy de BioShock, pas dire le méchant, je sais pas si on peut dire un méchant, non. Lui, il est plutôt là pour protéger les fillettes. C'est vrai que quand les fillettes, elles sont en espèce de petit démon, ouais, c'est un peu un méchant, en fait, ouais, il est là pour... Ouais. Mais j'ai très bonne série BioShock. Donc, on va faire un petit tour d'horizon. Donc là, nous l'avons en... Tac, comme ça. Derrière, nous avons... Ah, zut, j'ai pas caché le prix. Mais c'est pas grave, on le voit pas. On s'en fout, de toute façon, je l'ai acheté chez une enseigne toute verte. Donc voilà, donc il y a la Little Sister. Mais il y en a, je crois, 4 ou 5. 4 ou 5 de cette collection, voire plus. Après, avec le réassort, donc on va déballer. Normalement, je ne déballe pas. Si les gens me connaissent, regardent mes vidéos régulièrement, ils savent que je ne déballe pas mes pop. Mais celle-là, je me suis aperçu qu'elle était déballée. Donc, allez, on va la sortir. On va mettre ça de côté. Ah oui, j'ai eu une demande de monsieur M hier ou avant-hier. Il me dit, pourquoi tes pop sont là-haut? Je dis, pour pas que tu joues avec. Il me dit, mais je peux pas jouer avec tes pop. Et mais pourquoi? Donc là, nous avons Big Daddy. Il pèse quand même... il doit faire un bon petit kilo facile. Donc là, nous avons Big Daddy avec le casque. La truc, quand il met des coups de comment, je sais plus comment ça s'appelle. Foreuse, voilà, c'est foreuse. Mais il est très très bien fait. Les trucs à oxygène derrière. Je pense que ça doit être la soupape pour la l'air comprimé. Ouais, il ne bouge pas en fait. Ouais, il est vraiment... Attendez, il y a quoi au pied? Maïdin Shinda Foucault. Donc nous avons Big Daddy. Voilà, donc un petit tour d'horizon, tranquille. Il est bien fait, j'avoue, franchement, il est très bien fait. Et pour le prix, j'aurais peut-être dû en prendre une autre. J'aurais peut-être dû... En plus, je crois qu'ils font une offre en ce moment. Deux achetés, la troisième offerte. Sur présentation de la carte, bien sûr. Je pense qu'il ne va pas se prendre la tête. Donc oui, nous avons le Big Daddy de BioShock. Donc là, on va faire un petit tour d'horizon de la tête. Je ne sais même pas si ça... Non. Hop là, à l'envers. À l'endroit. Donc voilà. Donc c'était Kant pour 4geek.fr. Ma prochaine vidéo, je pense que ça sera les loot crates. Si, comme je dis, elles arrivent un jour. Normalement, il y en a une qui devrait arriver dans la semaine. Et l'autre, elle est en partance des États-Unis. Mais problème de réassort apparemment de goodies. C'est pour ça qu'ils n'ont pas envoyé les pop. J'espère qu'ils feront un geste commercial. Parce que sinon, je changerai de box. Je vous dis à très bientôt. C'était Kant pour 4geek.fr. Vous nous retrouvez sur 4geek.fr, le site internet, le Twitter, le Facebook et notre page YouTube avec nos vidéos de tout et de rien. La foire au geek. Allez, à bientôt, c'était Kant.